of your bones. À cause de la sorcellerie là, un homme de Dieu doit avoir des yeux spirituels. Parce qu'on est ensemble ici, il y a sorcier et puis il y a ceux qui sont pas sorciers. Vous savez détecter ça. You need to have the detection. Moi, il y a un détecteur. Jésus. Vous avez la forme de Jésus. Jésus. C'est mon maman. Hein? C'est mon maman. Elle a sorcellerie. Jésus. On peut t'aider aussi. Elle aussi a la sorcellerie. Vous devez venir ici. Venez ici. On va enlever Soubara. C'est le seul endroit le plus sûr où on va enlever Soubara. To take care of witchcraft. De la brigade. Tu es sorcière. Tu es quitté hier, tu es venu ici chez moi. Toi, tu es sorcière, tu viens à la brigade comme ça. Mais c'est vrai. C'est comme un bandit, gangster de grand chemin qui va saluer les policiers. Oh, il est recherché. On va le prendre. On dit brigade de recherche. Et toi, tu vas à la brigade de recherche comme ça. Prends en même temps. C'est ton chercheur de cul. Dulli, faut pas me regarder les yeux des sorcelleries. J'ai été fait vomir dans ton sang. Pour lui dire ça, faut que son cœur vibre dans sa raie sain. Sinon, si elle veut détourner son cœur, elle va fondre ici. Pour lui dire ça. Non. Parce qu'elle a pris sa position, elle a pris pour me magataper. Il fait ma même jambe. J'ai parlé français, il voit. Oui, souvent on parle français, mais maintenant je comprends. Marat avait dit, mais le prophète à terre. Non. Il me donne pour terre, toi-même tu as saigné tout de suite. Faut aller doucement. Hein? J'ai dit, elle est quittée là-bas, elle est venue à la brigade. Pendant ce temps, elle est sorcière. Moi je t'ai envie de parler, puis j'ai vu mon détecteur la pris dans la salle. Ici là, comme tu es sorcier, va être ta place. Non, tu es sorcier à l'église. On a galé bleb, elle a galé doucement. Comment dire ça? Doucement, gros. Édoflé. C'est bien dit, mais flé, là. Il ne faut mettre l'eau glacée là-dessus. Ses coups sont enfin. Pourquoi les sorcières, elles viennent à la brigade, au lieu de déclarer sa sorcellerie, elles viennent s'asseoir dans l'assemblée comme tout le monde? Irina. Mais je vais dire, dans les affaires, je vais dire, Bernard, il vient à la mine. Elle dit quoi? Elle dit. Elle qu'elle est sorcière, elle voulait s'asseoir là-bas. Ah, elle qu'elle est venue, elle voulait s'asseoir là-bas. Et puis qui a refusé? Elle me dit c'est son mari, elle son mari, mais elle est venue ici. Bon, vous laissez un musulman. Oui, ils ont dit oui. Pas un musulman là. C'est quand tu veux là. Ce n'est pas un musulman. Tu as compris? Voilà, ce n'est plus un musulman. Tu es sorcier? Oui, dans. Allez, oui. Tu es sorcier? Faut dire oui, quand même. Oui. Voilà. Qui t'a donné? Le dernier. Il est doué, il y a un pari anti-nantouré. Anti, ça dit père. Le frère de son papa, ouais. C'est sa femme. Il t'a donné son céleri. Comment? Il y a quelqu'un qui a donné le même. Ah, parce que tu connais la personne qui t'a initié. Donc, comment elle t'a donné ça? Tu as su que c'est elle. Elle a créé le livre. Est-ce qu'elle a fondé un papa? Elle a créé. Il faut parler. Sinon, je te mets là. C'est la semaine prochaine que je te prends. Tant si je n'ai pas le temps, je fais croisade. Pendant que je te parle, il faut parler en même temps. Tu libéré. Sinon, tu ne parles pas, tu retournes. Oui. Quand Boiro, foutu. Foutou, quoi? Pas fatigué, hein? Foutou simple. Le faux plat. Foutou comme ça. Wika, mais toi, faire Wicho, c'est là, Wika. Il n'y a pas un peu d'agouti dedans. Wika, il y a pas. Foutou, là, tu n'as pas encore payé ça, agouti. Allez, agouti. Vient de l'homme.
C'est vient de l'ange angélique. C'est foutu, elle vient de l'homme. Eh, faut parler. C'est le seul endroit où tu peux, on peut te prendre ton temps. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps même d'écouter Zosie. Là, c'est pas leur ministère. Quand tu es sorcier, on dit, ah, nous, quand tu es sorcier, ça nous interpelle. On veut même te prendre rapidement parce qu'on sait ce que tu comptes comme dégâts. Or, si tu arrives ici, que tu ne parles pas aussi, que tu veux jouer, tu vas mourir. On met l'huile sur toi, et tu vas mourir. Parce qu'un sorcier, c'est un criminel. L'homme qu'elle a transformé en Bouti, est-ce que je suis sorcier moi à Bouti? Je te demande, moi je sais ce que tu as fait. Hein? Mais c'est bien de l'homme manger. Vous mangez bien de quoi? C'est ça la différence entre nous et vous. Vous mangez deux fois. Pour nous ici, là, vous mangez. Sauf graines, bien, bon pour tout. Et puis là-haut, maintenant, il y a Chioko là-bas. Parce que manger Chioko. Là, c'est une sauce de l'ouvrière. Là, c'est vite, vite. Donc, quand elle a donné la sorcellerie, elle est devenue sorcière. Elle est brisante. Et puis toi, tu es là, tu vis à la sorcellerie. Hé! Comment tu peux vivre avec quelque chose qui est dangereux? Est-ce que vous savez que les gens ne savent pas que quand on a la sorcellerie, on est dangereux? On peut renverser un cas. On peut tuer, on peut prendre la chance. Et là, quand vous marchez, ils savent qui a la chance. Ils voient votre étoile sur le visage, et puis ils noisissent ça. Gougni, les princes, ils viennent, pfff, c'est toi. Et oui. Les dégâts qu'ils font dans la rue, c'est terrible. Maintenant, elle n'est pas, non, c'est pas, elle n'est pas des mêmes familles. Ils voient ta chair, ils cassent. Qui s'en va? Il a tiré par ça. Eux ont un esprit mauvais. Ça veut dire, c'est gâter les gens. C'est pour ça qu'il faut les interpeller quand tu les vois pour les prendre. Moi, si c'est pour ça, vous gâtez mon nom, je suis prêt. Sinon, les sorciers, je ne suis pas prêt pour eux. Non, 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 non. Un sorcier, la nuit, chaque nuit, il va manger. Il ne mange pas poisson à la braise, c'est l'homme qui va manger. Donc quand il mange là, il endeuille les familles. Chaque jour ça tue. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, il est enfant de Satan. Parce que la sorcellerie existe. Ça existe dans toutes les langues de la planète Terre. Ça existe. Maintenant, comment fonctionne la sorcellerie? Quand tu as un esprit mauvais et tu gâtes. Quand on est sorcier dans une famille, on gâte. On n'apporte jamais des bonnes choses, on apporte des vilaines choses dans la famille. Le malheur. Vous allez pouvoir. Votre camarade fabrique Air France, Corsair, Air Bruxelles. Ça dépend Air Zonou là. Comment on appelle au village? Air Boiflé. Non, le village? Tofla. Ah, Air Tofla. Air Tofla, c'est petit balai, t'assois là, je mets 15 minutes, t'es parti. Air Tofla. Air Tofla, avec 15 minutes. Nous, Air France, on est assis, zone de turbulence, on prie seulement le Seigneur. Nagapa en descendre. Oh, c'est 15 minutes, vous arrivez sur Paris. Vous avez toutes ces connaissances. Air Tofla. Oui? Ah, il y a Air Tofla. Air Tofla. Oui, comment tu fais? Tu es fâché? Tu es fâché? Je veux conduire, ne veux pas mettre ta tête. Tu es fâché? Tu es fâché? Tu te transformes en Ibo. Puis tu fais quoi? Dieu t'a créé homme, ça te plaît pas. C'est pour l'oiseau là qui est bon. Elle s'envole, elle est tuée. Elle s'envole comment? Elle fait comment? Merci, papa. Non, comment elle fait pour se transformer d'abord en l'oiseau? Elle fait comment pour se transformer en l'oiseau? Tu n'en attends rien.
Elle fait comment que se transforme en oiseau, Satan? Le bec craque, il crée un coup de brille, il crée un bien. Ah, vous, vous n'avez pas. Il y a un moyen. 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 Il faut traduire. Elle dit quoi pour se transformer? Elle dit elle a le deuxième pays qui peut venir descendre. Non, non. Elle dit elle se transforme en Igbo. Elle peut couper le cas. Elle peut craquer la Ukraine. Elle dit tout. Elle crée oui. Moi, tu vas là-bas, j'ai un goût de faire. Le monsieur, le monsieur là, qui il est pour elle? Son mari. Il sait qu'elle fait l'amour avec toi. Mm-hmm. Il dit, toi tu es femme, il est garçon. Voilà. C'est pas ça? Demande-lui. Faut partir avec lui. Il doit vivre, ben oui, vous. Il est là. Lui là c'est qui? C'est son mari. Pourquoi tu fais l'amour à lui? Il m'a dit qu'il y a là. Qui tu as là? Il y a là. Tu fais l'amour à lui? Pourquoi? Elle dit quoi? Elle dit elle ne sait pas ça. Ah tu sais pas? C'est faux. Attends, c'est faux. Demande-lui, demande-lui. C'est faux. Attends. Attends, donc tu veux jouer moi. Non, laisse ça. Attends. Attends. Tu veux délivrer ou bien... Mais faut parler. Tu es quitté à Tofla. Là. Qui savait qu'il était sorcier? Qui savait ça? Monsieur, tu savais qu'elle était sorcière? Non. Alors qui l'a pris hier, sorcier? Qui a pris ça? C'est vous-même. Ok, ça vous dit que je te connais, je sais ce que tu fais. Faut aller doucement. Je prends une la versée si elle est la patrie. Ou bien? Ah. Un bon choix. Qui fait quoi, monsieur là? Il veut que la parler quand même. Mais pourquoi tu es gêné? Il doit prier. Il doit... Va le chercher, va le chercher. Tout à l'heure, parler. Va le chercher. Il va là. Allez, va le chercher. Il va là. Il va là. Là, tes femmes, t'as dit. Toi, tu es là aussi, tu dois prendre une femme. Tu te caresses comme ça. Tu penses que tu as une femme? Oh, c'est pas nous, tes femmes. C'est sa femme. C'est la femme. Donc, elle fait quoi, lui? C'est sa femme, elle peut préparer, mais qu'est-ce qu'elle fait, lui? Elle femme prépare. Elle fait quoi, lui, pour toutes ses femmes? Madame, il faut parler, il y a trop de sorciers, il doit délivrer. Il y a une. Ouais. Toucher comme ça, chérie, c'est elle qui fait. Madame, comment tu fais quand il dort? Tu fais comment? Je dis, il veut caca. Moi, je pose question. Je suis un expert en posant des questions. Il faut qu'elle nous explique les petits détails. Si tu es fâché, faut lever ta main là. Elle dit quoi? Si il dort, elle va la réveiller. Et puis elle fait quoi? Bon, réveille-toi, puis maintenant tu fais quoi? Elle couche à elle. Hein? Comment un homme couche à une femme là? C'est comme ça qu'il fait. Voilà. Non, demande-lui. Il fait. Il dit, il veut caler. Ça va aller. Va prier pour elle. Va prier pour elle. C'est comment tu fais? Là, je vais craquer.
Allez, oui. Tu les fais endormir. Et puis tu les transformes en femme, c'est ça? Il peut vous dire que la vie est en train de se. Je te demande. Adam, tu es fâché ou pas? Hein? Je te demande. Tu es fâché? Oui, tiens donc. Faut chasser l'esprit de mort sur cette femme-là. Voilà, attaquer l'esprit de mort. Oui, tu es fâché. Tu fais quoi? Faut enlever ta main là. Kiki là, c'est vaincu. Le feu sur ça. Le feu. Là, c'est une garçon. Ça, des femmes. Dans la journée, elle ne peut pas foutre tout. La nuit, là, tu deviens femme. C'est ça, non? Non, faut pas faire ta tête comme ça. Non, non, non. Je préfère oui ou non dans la bouche. Je vais pas l'aider. Et tu as fait quoi encore sur lui? Et même elle me colle les yeux. Elle est têtue, non? Hé! Hey, toujours les têtues. Vous le dites? Toujours les têtues. Moi, toi, ça me dit rien, mais celui qui t'a gâté là, c'est lui qui va te délivrer. Sinon, toi, t'es sorcier, si je vais vers lui, tu vas vers lui, toi, tu vas. On fait petit tour là, combien de mètres? Très bien. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi pour le rendre malade? C'est pour ça que quand vous voulez marier une femme, bien choisie. Sinon, demain. Ah! Maintenant que toi tu dors, elle est touchée. Oui, le ma femme est à Machado. Il y a Machado. C'est quand même bien à Machado, il y a une femme. Il y a un crème. Ça va, tu as quitté le quartier, tu es là-bas? Mais tu as quitté le quartier, tu es là-bas? C'est là que tu l'as rendu malade. Quand tu as la société, tu es un quartier. Ça va, tu es délivré maintenant? Voilà. Aujourd'hui, là, tous les sorciers sont dans l'église. Tu ne vois pas clair, tu es pasteur. Tu prêches seulement. Quelqu'un est sorcier, dites-lui qu'il est sorcier. Ne cachez pas ça. Vous le prenez, vous le délivrez. Ah non, s'il parle, ça va créer. Moi, je m'en fous de ce que ça va créer. Si je meurs dans vos familles, je dis les sorciers. Vas-y, dis-lui les sorciers. Ça n'a que le scandale, je m'en fous. Voilà. C'est un don qui se manifeste. Quand un sorcier, il faut dire qu'il est sorcier. Si tu le laisses, il va vous détruire. Attends, stop. J'ai dit ça dans un village. En gros, il stop. La fille d'un prédicateur. J'ai dit, elle est sorcier. Il se plaint. Quel est le nom? Lui, il prie, sa fille, pas être sorcier. J'ai dit, mais toi, tu es prophète. Je respecte ta prédication, mais tu n'es pas prophète. Il dit, non, sa fille, pas être sorcier. Donc, il prend sa fille. Il part avec elle. C'est que sa fille l'a montré. 3 ans après, elle le fait. Terrassé. Une maladie très grave, cancer, couché. La fille dit, c'est elle qui en a le Dieu. C'est là. On se rappelle du prophète Crasso. On m'appelle pour m'envoyer l'information. J'ai dit, moi. Elle n'a qu'à le manger. Il est mort. Toi, tu es prophète. Non, elle ne peut pas être sorcière. Moi, je suis un homme de Dieu. On n'est pas la même chose. Non. Toi, tu es prédicateur et moi, prophète. On n'est pas la même chose. Je respecte ta prédication, mais tu ne vois pas. Tu peux mettre un enfant au monde, tu ne connais pas l'enfant. L'enfant peut sortir de la maison, une semaine après, on peut lui donner la sorcellerie. Même aujourd'hui, ça se distribue à l'école, tout ça. Donc, quand quelqu'un dit que quelqu'un est sorcier, là, ce n'est pas un jus. Il entend ouvrir ton esprit, il dit, celui avec qui tu marches, là, va te manger demain. C'est ce que ça veut dire. Donc, on le fait délivrer. Ah non, toi, ta prière du village, là, ça ne peut pas être sorcier. La fille a bien mangé le gars, sauce claire. À checker.
des gras, la gras là-haut, là, avec Kana, elle a bien mangé le gars. Elle a maigri comme ça. Elle a mangé le gars, les bâtis. Quand on donne les révélations, on est homme de Dieu, mais on n'a pas la même dimension. Chacun dans son domaine. Donc, si le prophète dit, ta fille est sorcière, il faut chercher. Il faut être, parce qu'en matière de sorcellerie, il faut être neutre. Il ne faut jamais prendre position. Alors, il ne faut jamais prendre position. Parce que même ta femme, elle, voici un monsieur comme ça, il a marié une femme, il ne sait pas qui il est. Oh, il dort, la femme le gère. Elle finit par faire tout. Le soir, lui devient femme, et bien elle est un garçon. Amen. Amen. Vous-même à Tofla, là, dites-moi, vous avez quel problème? Mais quand? Ils n'ont pas fini de manger les gens là-bas. Roger est là. Il y en a. Si on l'a délivré. Un grand sorcier. On l'a délivré ici. Et la femme qui t'a mis dans Ravin, là, j'étais dans. Elle est là aussi. Il y a trop de camps là-bas. Il y a 6 groupes de sorcellerie là-bas. Comment moi, ils les prennent un à un devant vous tous. Et puis on va finir cette histoire. C'est fini. Chacun son don. Moi, il rentre dans le village, si ton chef a signé tout de suite là. Quand il rentre, on finit de faire la réunion technique, il attrape. Tout de suite. Donc tu as fait quoi? Tu as donné quoi maladie? Comment? Le diable le caga. Moi, les enfants du diable même pas. Les sorciers ont les maths. Faut pas m'aimer. Mais moi, je suis pas prêt pour sorcier. Ta maman est dedans, elle l'attrape. Ton papa est dedans, elle l'attrape. Elle boit son sang, elle a mis une grenouille dans son corps. Donc, grenouille, il y a une grenouille dans son corps. C'est une grenouille qui se balade dans son corps. Grenouille. Faut enlever ta main où il y a ton puits de sorcellerie. Le monsieur entend le délivrer. Attends, délivrer le monsieur. Ah, donc c'est moi qui dois parler. C'est plus confession. S'il n'y a pas, c'est plus confession. Bon, si tu n'as pas envie de parler, il faut quitter. Va tout là. Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une grenouille. Ah, moi, elle a parlé. Tu as tué combien de personnes? Deux unités, non? Tu es malade ou bien? C'est pas 5, c'est 27 personnes. Tu es malade, toi, tu as tué 7 personnes. Quelle est la dernière personne que tu as tuée? On a la brigade, donc souvent j'ai un sang, c'est un peu chouchou. C'est le pasteur qui est doux. Jésus revient bientôt. C'est pasteur. Non, on est maréchal. Il faut être dû. Moi, je ne suis pas là pour présenter ça. Non, c'est un pasteur qui vient, non, levez-vous un peu le Seigneur. Jésus revient bientôt. Tout ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Moi, je suis là pour les sorciers. C'est son. Le petit frère à son papa. Tu as tué qui récemment? Comment il s'appelle? Faut enlever, il était toujours ici. Il s'appelle Zamblé. Zamblé. Zamblé, comment tu l'as tué? Le caca a dit. Elle dit, il n'a rien fait, elle s'envole à tout flasque pour aller et tirer la base. Où? Il était où? Il est dans l'autre ville maternelle, dans un gonfla. Hein? Dans un gonfla. Quand tu t'es levé, tu es allé le manger là-bas. Voilà. Comment tu as fait? Je veux quelqu'un. Si il est ma où il y a un hôtel. Il est s'envolé. Si il est allé. Tu t'es envolé et puis tu es allé où ça? Dans un gonfla, je viens ma femme. Tu as t'envolé pour aller là-bas? Et il dormait. Le quelqu'un a dit, il est. Ah, je te demande ou bien? Et vous dites qu'il n'avait pas mangé. Il dormait vraiment plus. Et puis comment tu l'as attrapé? Et vous le kunga là, tu as dit. Comment tu fais? Elle a attrapé son pied. Comment?
mystérieux. Comment tu as fait? Lève le témoin. Allez, quoi? Elle dit, elle a tiré son pied. Tiré son. Elle fait la prise comme épervier prend au sein. Il était parti à lui. Et quand arrivé là-bas, tu l'as égorgé. Il parle le loué avec le cas. Tu l'as transformé. Le crème est fait, il a dit. Oui, car. En quoi? Malgré Agouti. Agouti, puis tu l'as mangé. Toi, ta main est partie. Il a carré bien brillé. Malgré un pied. Ok. C'est moi qui ai joué. Il est vieux. Il est bébé. Une sorcière comme toi mange pas pied. C'est la tête, puis le cœur. C'est qu'elle a mangé. Quoi? La tête est plus. Tu as vu, elle ne veut pas parler. Elle va parler. Ah, ouais, t'as un mari. C'est dangereux. Donne-moi ton poids que le temps te gère. Tu vas aller dans le lit. Seigneur, tu dis, oh, la femme est déjà. Hein? C'est quand maman d'Aïssa, là, tu vas même manger. Souvent, prenez-lui la verset chez vous, hein, c'est important. Verset maman, chez vous, là, s'il y a un sorcier, ça les prend un peu. Madame, il n'y a pas là à ta place. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut parler. Si elle ne veut pas partir parler, parce qu'on ne force pas quelqu'un ici, on a calé à Tauf, là. Irina. Il a même oublié, il a dit que là. Il va faire un bon café là. Non, dis. Parce que façon d'entendre les paroles là, c'est comme ça que tu forces. Demande-lui, elle est sorcière ou pas? Elle est sorcière. Elle dit quoi? Elle est sorcière. Mais quel sorcière va parler de délivrer ou bien? Qui est dans la sorcellerie? Elle est sorcière. Oui, sorcière. Il y a sorcière. Si tu ne parles pas, tu vas partir. Eh oui, il faut parler. Elle dit quoi? Elle va parler. Elle va parler comment? Le monsieur là, comment elle a fait? Elle a tué Zamblé. Elle a mangé Zamblé. Tu as bien mangé. C'était doux. Il dit bouche, il faut parler. Pas faire ta tête comme ça. Ah oui, tu. Il est doux. Zamblé là, tu l'as pas bien quoi? Koutou et. Zaka Zamblé, Kabili. Sauce graine. Sauce graine, quoi? Oui, peut faire gagner. Pour les nuits, quoi. Pour tout banal, et tu as tué qui encore? T'as vu, dit Jazim. Madame, tu ne veux pas parler, faut partir. Oui, moi je commence par récent. La dernière personne qu'on va prendre, on va évoluer. Maintenant, avant même de voter, je dirais que je vais faire voir et les amener à Emmanuel. Ma elle fait comment pour empoisonner les gens? Parce qu'elle empoisonne les gens. Elle fait comment pour les empoisonner? Et bien, il y a des gens qui empoisonnent les gens. Il fait comment? Oui, elle a ça. Tu fais comment? Il fait comment? Il y a les gens comme ça, vous voulez qu'on les laisse. Oui, je ne sais pas pourquoi. Les gens, vous voyez, les gens comme ça, on peut les laisser. Elle a dit quoi, putain? Non, elle n'a pas dit. Elle dit quoi? Elle dit, elle n'était pas bien là-bas. Elle est pas là-bas. Elle est sur. Stop, j'ai dit. Tu empoisonnes dans ces caca là. Tu chies dans les mangers des gens, tu les empoisonnes. Je viens de les parler, ça attendait rentrer ses rangs. Pour me distraire. Tu as des choses bizarres sur toi, pour parler. Yoga. C'est pas ça? Tu dis ah. Bah, va t'asseoir. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir, allez, va t'asseoir.
Elle dit, c'est quand même la nourriture. Donc moi, il n'y a qu'à parler, et puis elle va dire oui. Je parle de lui, je parle de lui. Elle ne sait pas ça, elle ne sait pas ça. Mais tu veux, c'est bien. Ah, mais c'est bien, mon frère. Bon, si tu ne veux pas parler, va à ton frère. Va à ton frère. C'est tellement simple, tu parles, on te délivre. Tu as même dit sorcellerie, on t'a donné. Tu n'as pas lâché. Alors, tu n'as pas lâché la sorcellerie, on t'a donné. Ok, non, te comprends, on t'a donné. Ça t'a poussé à faire des dégâts. Mais confiance, on va te délivrer. Tu rentres ici, tu rentres ici, tu veux me distraire. Moi, quand je parlais, tu as dit oui, oui. Après, demain, tu as dit non, c'est ce qu'il a dit, il a dit oui, c'est pas moi. Est-ce que moi, je vous connais pas? Ça, c'est pas bon. Je vais parler. Parle maintenant. Parle, hein. Le poison, il y a un peu de zéro, le frère. C'est cela que vous voulez manger, là. Priez, ne pas ça. Elle est principale. Elle avait dans son village. Vous priez le Seigneur sur le repas. Vous faites comme ça. Comme ça. Ce n'est pas prière. Sanctifié. Tout est sanctifié par la prière. Les précis. Moi, je ne fais pas confiance aux gens à 100%. Moi. Non, 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 non. Ne fais pas confiance aux gens à 100%. C'est vrai que la personne qui a préparé, mais traverser la cuisine jusqu'à chez toi, il peut y avoir des choses. Non. Quand vous priez là, ça neutralise tout. C'est pour ça qu'il ne jouait pas la prière. Le jour où vous négligez la prière, vous donnez la place au diable d'agir dans votre vie. L'arme du chrétien, c'est la prière. Oui, Dieu nous a tout donné. Ce n'est pas à lui de venir nous défendre. Nous avons une arme qui est la prière pour nous défendre. Généralement, c'est quand les choses sont difficiles qu'on cherche maintenant à prier. C'est dangereux. Chacun a son goût. Ah. Faut parler. Elle dit, elle va à ça dans son village là-bas. Elle donne à ton frère là, quoi. Elle est ton frère là, mais. Elle a bien compté. Elle comptait son monde là, vous voyez. Elle compte tout. La papa dit. Tous les assemblés. Il y a une fille là. En tout cas, elle est meilleure. Il dit, vous là. Ce que tu as fait à ton frère là. Dans ton village, du tout. Elle dit, c'est temps de la passer. Et puis, les, parce qu'elle a tué 27. C'est 27 personnes à tuer. Elle n'a pas tué 5 personnes. Non, elle dit, c'est temps de la passer. J'ai pas compris. Elle est en train de côté, elle dit, elle a tué 5 de 50. Ok, allons-y. Donne le nom. Son grand-père, monsieur, assiste. Un boubou. Mais ça, c'est la grande-mère. La grande-mère. Grande-mère maternelle. Ah bien, dès qu'elle a fait du parler. Il y a entre les becs et belles. Entre un bout et tigre et il y a les filles, pas il y a les. Comment elle fait pour boire le sang de son mari? Il veut qu'elle aille vise la mienne. J'ai donné du vin maintenant. Ah, ça y est, mais nous, ma mère qui doit parler de vous. Et ma grâce à gagner, mais ma mère qui doit. Elle voulait un bon nom, bon nom, elle est magnifique. Comment elle voit le truc de son mari, son sang. Il veut qu'il y ait des gens qui sont venus. Il veut qu'il y ait des gens qui sont venus. Il veut qu'il y ait des gens qui sont venus. Il veut qu'il y ait. Elle fait de manger, elle boit bisapo. Bisapo, vin. Son foutu, graine, morceau, d'agouti, l'homme. C'est pour ça que quand tu veux marier une femme, il faut bien regarder.
Je veux marier aussi un garçon pour bien regarder son visage. S'il n'aime pas trop Dieu, il faut le fuir. S'il aime le Seigneur, voilà, c'est une bonne chose. Il ne va pas te manger demain. C'est d'où? La néné. La néné. C'est bien. Ah. On dit ton sang est sucré. C'est plus que du vin. Ton sang est plus que du vin. Et pourquoi tu ne lui dis pas que c'est toi qui fais ça? Et bien, je vais faire le dedans. D'accord. Je ne peux pas dire. Pourquoi? Et bien, ça va faire. Pourquoi? Elle dit, elle ne peut pas dire, si elle dit, elle va avoir honte. Parce que ça ne dit pas ça. Bon, honte et puis souffrant, tu choisis quoi? Quelqu'un souffre. Évidemment. Bon, la petite honte, tu ne voulais pas là. Voilà. Maintenant, il y a une grande honte sur toi. Évidemment. Président, tu dis à quel nom il y a quoi parler de Tchomiroula là? C'est dans ça où dit non, faut pas en parler des sorciers, faut pas en parler de. Elle dit quoi? C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait. Monsieur, on dit ton sang là, c'est du vin. Ok. Donc, tu fais quoi encore? La carte est qui? Il est directeur dans ce. Elle dit, elle n'a pas gâté. Tu as gâté qui? Mais elle a attaché toi et ses enfants. Dans le nom des gens qui t'ont attaché. Oui, il y a eu une idée autre. Non, elle a pas interprété. La Minda. Il faut l'appeler quelque part là, sur la fin. Elle a attaché. Où? Il me parle de l'un. M'en parle de plan. Fécane. Il a attaché. Elle est où? Elle a dit, il va faire carne. Oui, ma mère. Elle a attaché. C'est comme ça, ils ont toujours les arbres attachés. C'est comme pour nous là. Quand on allait à Soroko, on a cassé les arbres, il y avait 23 personnes à couper. Nous, on répète le coin. Non, c'est l'arbre est là. On a fait comment? Il va faire quoi là? Mais on va faire quoi? Oui. C'est moi qui l'ai attaché. Oui, si, si. Voilà. Vous lui demandez si c'est moi qui l'ai attaché. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. C'est pas toi. Donc, il fait lundi. Dans la canaga, il est défait. Vous savez qu'elle les attaché dans Abbé. Il est fou. Voilà, il est défait. Ah! Eh bien, il faut fou! Ah, au fou! Voilà, elle va faire. Ouais, faut aller faire ça maintenant. Il faut qu'elle tourne. Ah, là, vous. Tu les attaches pour quoi? Ben, dis-moi, il est bien, oui. Ben, maintenant, tu es bien. Tu les attaches pour quoi? Ben, oui, il est bien, oui. Elle dit comme elle avait beaucoup d'enfants là, vous avez bouffé tout le monde. Vous avez mangé. Il n'y a pas poulet dans ton village là-bas. Le mangaka flamme. Il n'y a pas poulet, cabri, mouton. Le poulet dans le mangana. Mais le cabri est là, il y a un mouton là-bas. Mais pourquoi c'est l'homme que tu veux manger? Eh bien, ça y est, il faut que tu me le mettes. Oui, quand il est le mien,
Elle n'a pas de cabri, c'est l'homme, elle adore. Mais si toi, on t'avait mangé là, est-ce que tu allais mettre les enfants morts? Était toi, tu es une mère, au lieu de protéger les enfants, toi, tu les manges. Elle dit quoi? Moi. La fille est où? Là-bas, elle est là. Mais quelqu'un l'a attaché, comme ça, va se parler. Oui, c'est son enfant. On l'a attaché dans Abno. Mm-hmm. Mais c'est normal qu'elle. C'est bizarre, bizarre. Oui. Elle est attachée comme ça. C'est celle-là. Tu as fait quoi celle-là? Il peut créer les caca. Maman dit ça. Elle est attachée. Pour la foule, regardez, puis lui, dis-lui ça. Allez, dis-lui ça. Voici la voici. Elle doit savoir ça. C'est que tu appelles chez elle, il faut dire. Le frère de créer la bébé. Elle est attachée. Il faut bien parler. Tu lui dis ce que tu as fait si elle. Il veut que tu lui dises que tu as fait si elle. Elle veut te manger son gré. Il y a un peu de fait. Il y a un 6 ans. Je lui demande, mais est-ce qu'il n'y a pas cabri? Il y a cabri, mais c'est toi là, elle veut mettre en sauce grecque. Elle est debout. Il y avait la manière de sauce grève. Je lui dis, mais oui. C'est sauce grève aussi. Ailleurs, il y a des filles. Oh, ben, elle est sauce grève. Oh, ben, il m'a un frère. Sauce grève, il m'a un frère. Si on vous explique comment fonctionne la sorcellerie, là, vous allez même aller. Vous allez plus chaud que moi. Moi, je me pose la question pourquoi les hommes de Dieu ne font pas de salaire combat. Donc, moi, je les regarde. Parce que pendant que nous sommes là, là, elles sont en train de travailler. Chaque nuit, les sorciers tuent. Chaque nuit, ils empêchent quelqu'un de se marier. Ils empêchent les gens d'évoluer. Bon, Jésus revient, ok. Mais Jésus-Christ a combattu les œuvres du diable. On dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tant que les œuvres du diable ne seront pas détruites, il sera difficile de voir les gens avancer. Ou les prêcher l'évangile, pourtant ce sont dans âme. Ton fidèle est là, il est dans âme. Tu dis Jésus, il est venu, mais il est là, dans âme. Et puis demain, on le met dans sauce graine. On le mange. Et tu dis, le Seigneur l'a pris, paix à son âme. On s'en suit la manger. C'est vraiment ridicule. On va les sorciers, les gens. Vous n'avez pas la capacité de détecter que telle personne a été attachée dans A, telle personne est attachée. C'est ça que la Bible dit. Un aveu ne peut pas conduire des aveux. Ils tomberont tous deux dans un même fossé. Jésus-Christ, là, c'est le terminus. Qu'on arrive là, Dieu doit nous faire prospérer. L'Église doit faire prospérer les gens. C'est pour ça qu'il faut étudier la vie de tes fidèles. Quand quelqu'un n'évolue pas, amène-le à la délivrance. Parce qu'on a toujours besoin d'être délivré. À chaque étape de notre vie, on a besoin d'être délivré. Parce que l'homme a fait pour prospérer. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. À tous égards, dans tous les domaines. Ton foyer doit marcher. Ton commerce doit marcher. Tes activités doivent marcher. S'il y a un blocage, c'est qu'il y a une main obscure qui est venue bloquer ça. C'est pour ça qu'il faut regarder la vie de tes fidèles. Si j'ai une maladie bizarre, priez pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Ne l'accusez pas pour dire non, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Non. On prie pour toi, tu n'as pas la foi, il faut croire qu'il sera guéri. Toi, crois que quelqu'un sera guéri. Quelqu'un l'a mis dans la bouteille. Il y a de les lutter même. Quelqu'un l'a mis dans la nuit, excusez-moi. Comment il va sortir? Il y a un monsieur, s'il a mis l'enfant, son fils est né dans son anus. En sorcellerie. Là-bas, la main qui n'est pas bonne, là, pour sortir encore, c'est là-bas où tes mains. Comment tu vas respirer? Comment tu vas avancer? Et les gens, parce que ce sont les illusions, c'est parce que. Mais, non, c'est une réalité, triste réalité. Pendant que nous sommes en train de dire, eux, ils travaillent, ils ont un système. Il faut les combattre. C'est comme quand le banditisme s'installe quelque part, mais l'État déploie tous les moyens pour arrêter le banditisme. Les sorciers sont des délinquants. La délinquance spirituelle. Ce que vous voyez en rêve, là, Marie de nuit, là, c'est la sorcellerie. C'est pas un esprit qui vient, c'est un sorcier qui se déguise, qui fait l'amour à toi. Quand tu finis à te mouiller,
Tu as l'impression que tu as fait l'amour. Mais c'est sorcier. Il te regarde quand il dit, bon, toi, si il vient te draguer, t'as dit non. Ben, moi, je suis moche. Donc, rendez-vous la nuit. On a vu un monsieur comme ça. Il a touché à toutes les femmes du village. Quand tu le regardes, là, les gars, vraiment, on laisse son visage, on crée, il pour faire monstre. Il est très moche. Mais la femme l'a touché dans le village. Reste tranquille. Donc, il dit à une femme, une belle femme. Vraiment, quand il est prêt dans le village, là, tu dois dire ce que tu as fait. C'est ça que souvent on met du temps dans un village. Si on t'a pris là, tu fais sorcier qui, tu dis le nom, il vient. Ce que tu as fait à qui, il vient. Il part. Donc il a dit, il a fait ça, il a fait ça. Il y a une jeune fille, elle croyait pas, il dit non, comment toi tu fais bouger moi. Il dit si, je suis rentré dans ta chambre, tu avais. J'étais mis nu. Bon, ça, elle discutait. Mais oui, hein. Nu, tout ça, elle discute. Ok. Il dit bon. J'avais un slip rose. Ça, c'est un truc. C'est perdu, non? Eh, Baba, il dit, c'est chez moi. Eh, Baba, il allait envoyer. Sorcier m'a envoyé. Elle a commencé à pleurer. Demandez, c'est vrai. Le gars, il a fait, tu discutes. Tu n'en dis, non, elle a honte. Le gars, il dit, c'est chez moi. Il a fini là-même, il a laissé ça comme souvenir. Tu l'as gardé ça chez moi. Bon, sorcier qui a slip, ton dessous, comment tu vas avoir marié? Les plus grands jaloux sont eux. Hein? Quand ils commencent à être sur vous là, ils vous voient en leur femme. Hein? Donc un monsieur, celui qui veut te marier, lui, vient, il matraque le monsieur. Le monsieur, ça va. Le monsieur te donne tout son numéro. Maintenant, tu l'appelles demain. Orange m'a dit bonjour. Vos correspondants ne peuvent pas se joindre. Mais le monsieur ne va plus te recevoir. Il a fui. Il ne va plus te marier. Le mariage est fini. Tu l'entends normal. Chacun a son nom. Il regarde comment tu vas voir, non? Mais quand ils sont sur toi, jamais tu vas te marier. Toi, tu es maman. Elle, c'est la fille. Au lieu de la protéger, c'est dans un. Elle est 5 jours bien. Mais c'est 5 qui va dormir dans un. Un enfant vient, il a un problème, c'est maman. Maman, mais toi, tu vas. Loger, attacher ta fille pour la manger. Ah! Dis-lui ça. Elle est 5 jours bien. Non. Quand tu as un problème, c'est bien les parents, tu cours. Et tu cours qu'ils puissent te consoler. Oh, c'est elle-même qui est la base de ton problème. Et puis tu dis non, hein, c'est doux, il est mangé. On va prier pour toi, tu vas à l'église. Tu ne vas pas bien, bien. C'est pour ça que le sorcier veut te manger. Son grain est foutu à côté. L'homme doit aller à l'église. Tu as vu? Quand tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas protégé. Tu as compris? Si tu quittes ici, là, le pied de Dieu est ton pied. Il faut aller à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas être protégé. Aucun fétiche ne peut vous protéger. Tu as vu que même ta maman, tu as vécu tout le temps avec elle, mais tu ne l'as pas connue. Donc, c'est ça. Tu savais que ta maman était sorcière? Ah, tu as vu? Donc, vous allez, on peut vivre avec quelqu'un sans le connaître. Sans le connaître jusqu'à ce que Dieu. Et puis, c'est une grâce de Dieu qui l'a conduit ici. Sinon, sorcier t'attrape, il ne te laisse pas. Donc, cette grâce-là, ça veut dire que tu dois te convertir. Si Dieu te fait la grâce de le connaître, d'échapper à cette mort-là, tu dois le connaître. C'est cette femme-là que tu veux manger. Oh, dis oui, ta bouche là. C'est celle-là. Tu as mangé. Tu as pensé à celle-là. Celle-là. Voyez son enfant. Quand tu as tué celle-là, qui va donner tout ce qu'il a fait. Demande-lui. Non.
Non, il est passé un autre temps de Japon. Vous n'avez pas de mémoire, mais ça dit vous-même, vous êtes sans état d'âme. Vous posez un acte sans réfléchir. Vous pensez même aux dégâts. Mais il y a des dégâts énormes. Toi, tu penses seulement à viande, tu as mangé, tu es content, tu vas boire pissab, tu vas boire le sang de ton mari, du rêve. Mais et l'enfant? Tu tues la maman et l'enfant. Même toi, ta grand-mère, tu ne peux pas lui donner l'affection qu'il fait pour. Parce que même toi-même, tu n'es pas amour. La preuve, c'est que tu as mangé sa maman. Tu vas la manger après. Petit hérisson. Dans une petite mamie, un hérisson. Si tu as mangé biche, ce n'est pas un hérisson, tu as dû louper. Tu as mangé bien hérisson. Petite sauce, tu mets tomate dedans. Tu manges. C'est grave, hein? Madame, c'est grave, hein? Elle dit quoi, oui? Grave, on verse lui sur toi. Ah, verser. Non, oui, c'est l'endroit verser lui sur elle. Ouais. Seigneur, merci. Nous te prions dans ta souveraineté et dans ta puissance de libérer cette sœur. Nous brisons les chaînes. Les chaînes de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ, je prononce sa délivrance et je délie son âme. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et là, ben, dans la cour là-bas, ouais. Donc, il faut donner les instructions. Ils n'ont pas coupé l'arbre. D'accord. Avant non, que. Oui, oui, oui. Voilà. Ils n'ont pas coupé l'arbre là-bas. D'accord. On a fini. Elle a besoin de mettre, on a besoin de mettre le ciel. Voilà, il vient tout ça. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Il y a une là, où les deux autres? Sois Abidjan. Dis-moi le nom. Il est quoi, toi, fille? Mais oui, il a raison. Il est Wilfried. Il fait quoi? C'est un étudiant. Un étudiant. Il a son bac. Maintenant, l'autre, comment j'avais? Bon, l'autre, un coup, il est venu un matin, il m'a dit, bon, lui, il va faire l'école. Il va faire l'école. Il est passé en 5e hors de moi. Un an après, je suis allé pour l'inscription. Il est venu inscrire tout. Puis il me dit, un matin il m'a appelé, il dit bon, il ne peut pas aller à l'école. Qui a fait ça? L'école. Demande lui. Le diacre. Le diacre. Il a dit c'est elle. Comment elle a fait? Il veut que le cara. Il y a Elle non, elle a un cardinal, qu'elle parle, elle ferme. Qu'est-ce que tu fais, t'enferme? Elle parle, elle t'enferme, elle parle, elle t'enferme. Eh bien, non. Il l'a gré pour aider. Cardinal. Oui, c'est ce que j'aime bien. Il l'a gré pour aider. Il dit, à Duria, va bien servir. Mais lui, il me voit. Lui, il me voit. Lui, il me voit. C'est pas ça? Il parle. Elle dit, c'est vrai. Mais pourquoi tu dis pas ça? Bien, mais regardez. Bon, maintenant, on va t'asseoir. J'ai l'impression que tu veux me fatiguer. Allez, va t'asseoir.